Je vais continuer avec toi, du coup, Antoine Lagneau. Tu as parlé d'agriculture urbaine. Comment concrètement ça se met en place dans les quartiers que tu as observés? On peut rentrer même dans du détail très pratique, très technique sur comment tu as observé. Et après, ça, c'est pour l'initiative. Après, dans une seconde partie, on passera sur l'état des lieux, de qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui est améliorable, etc. Mais d'abord, comment ça se met en place? Comment on arrive avec un projet d'agriculture urbaine dans un quartier? Tu as dit qu'il y avait des lauréats, donc des sélectionnés qui avaient du coup été retenus. Et comment elles candidatent? Et une fois qu'elles sont retenues, comment les projets se mettent en place? Oui, alors donc si on parle effectivement de l'ANRU en termes de mise en place d'un projet d'agriculture urbaine, je vais rapidement vous décrire effectivement le process. Après, la mise en place d'un projet d'agriculture urbaine, ce n'est pas uniquement le fait de l'ANRU dans un quartier, hein. Il y a tout un tas d'autres initiatives en parallèle. L'ANRU, en fait, est arrivé très récemment dans le mouvement de l'agriculture urbaine, hein, je le disais tout à l'heure. Le projet Quartier Fertile, c'est 2020. Il est lancé en grande pompe, si je puis dire, en janvier 2020, avec la présence d'un ministre, avec bon, voilà, tout un tas de je dirais, réjouissances ministérielles et institutionnelles. Mais en même temps, c'était important aussi qu'il y ait effectivement cette mise en scène presque, parce que je pense que pour l'ANRU, c'était aussi la manière de montrer que les 20 années qui avaient précédé, je dirais, ce programme n'étaient pas 20 années comme ça on n'allait pas tourner la page, et il ne s'agissait pas de faire une autocritique de la part de l'ANRU, mais plutôt de montrer qu'en fin de compte, voilà, il y avait une évolution et encore une fois un changement de regard sur les politiques de rénovation urbaine. Donc, comment se met en place un projet quartier fertile? Alors déjà, petite précision, le programme quartier fertile de l'ANRU, il est terminé. C'était un appel à projet qui a duré un an et demi à peu près. Il y a eu trois vagues, pour reprendre un vocable à la mode, si je puis dire, trois sessions, parce que bon, il y en a marre des vagues. Il y a eu une première session qui a été organisée au printemps 2020, une seconde session à la fin de l'année 2020 et une troisième et dernière session à mi-2021, je crois. En tout, ça signifie que, il y a eu 100, quartiers, 100 initiatives lauréates qui regroupent 140 quartiers politiques de la ville sur la France entière, mais aussi dans les DOM-TOM. Ce programme-là, en tout, c'est, je crois, 34 millions d'euros, essentiellement financés par le dispositif France Relance. Donc, c'est quelque chose quand même qui est extrêmement ambitieux. En fin de compte, les objectifs et surtout les résultats vont se faire un tout petit peu attendre parce que la plupart, en fin de compte, donc, de ces projets partent de zéro. Il a fallu construire à la fois une mobilisation sur le terrain, il faut la construire même actuellement, et puis il y a tout le reste en termes d'ingénierie financière, d'ingénierie technique, etc., etc. Alors, comment ça se crée et comment les villes en fin de compte répondent. Il y a tout un process assez lourd, hein, avec effectivement, on est dans le cadre d'un appel à projet, donc il y a des pages et des pages à remplir. Il s'agit de à la fois montrer un petit peu comment est construit en termes d'ingénierie financière ce projet, comment on va sur le terrain mettre en œuvre ce dispositif, sachant que quartier fertile, l'objectif de l'ANRU, c'est à la fois de massifier, c'est pas de moi ce mot, hein, c'est de l'ANRU, de massifier l'agriculture urbaine dans les quartiers. L'un des résultats attendus, c'est qu'il y ait aussi un développement économique et donc des créations d'emplois. Parce qu'effectivement, c'est aussi dans ces quartiers une préoccupation légitime, la question de l'emploi, également évidemment un mieux vivre social. Donc voilà un peu ce qui est assigné à ce programme-là. Et par voie de conséquence, l'agriculture urbaine, ou en tous les cas, ce qui est souhaité par l'ANRU, c'est que ce soit des projets qui aient une dimension aussi productive. On n'est pas nécessairement, en tous les cas, la volonté initiale, ce n'est pas nécessairement un jardin partagé comme on l'entend aujourd'hui, hein, où vous avez des habitants qui se regroupent, qui vont cultiver ensemble un petit lopin de terre et qui vont faire de l'autoconsommation. Non, là, il s'agit vraiment de pouvoir développer des structures qui pourront produire à grande échelle pour alimenter le quartier, pour alimenter
pourquoi pas des restaurants dans la ville, donc avoir de la production conséquente. Ça signifie que vous avez des projets qui sont, par exemple, très high-tech, hein, qui vont se développer dans des parkings souterrains qui ne sont plus utilisés parce que beaucoup de parkings aujourd'hui dans les grands ensembles sont vides. Les politiques urbaines font qu'aujourd'hui, la voiture est moins utilisée. On a tendance justement à développer une autre forme de mobilité. Et la conséquence, c'est que vous avez des parkings entiers hein, qui sont vides. Donc, ces parkings, par exemple, vont être utilisés pour faire de l'agriculture urbaine sous forme de culture de champignons, de culture d'endives, etc., etc., autour de dispositifs un peu innovants techniquement, comme l'hydroponie, l'aquaponie, j'en passe. Donc, voilà, il y a à la fois cet objectif-là, et puis quand même derrière un objectif social d'associer donc les habitants malgré tout. Et d'ailleurs souvent, en fait, et puis je m'arrêterai peut-être là sur le programme en tant que tel, mais ce qu'on a observé, et moi en ayant accompagné donc l'ANRU et accompagné des villes, c'est que cette assignation de l'ANRU de vouloir vraiment faire de la production à grande échelle pour... Et on ne peut pas non plus jeter la pierre à l'ANRU hein, pour créer de l'emploi, a un petit peu désarçonné peut-être certaines villes au départ, parce qu'elles, ce qu'elles avaient envie aussi, c'était, je pense notamment à certaines villes de Seine-Saint-Denis pour lesquelles j'ai travaillé, par exemple la ville de Romainville très récemment, c'était d'accentuer, je dirais, la politique sociale dans les quartiers, pas au détriment de l'emploi, mais vraiment l'entrée est-elle sociale. Ce qui fait que les villes se sont posées la question de cette volonté très productive qui n'allait pas nécessairement de pair avec un programme social où quand on est dans du social et quand on parle d'agriculture urbaine, on est plus axé sur du jardin partagé justement, sur des lopins cultivés, des lopins de terre cultivés collectivement, bref, sur la création en fin de compte d'une prise de conscience collective autour de la question alimentaire et agricole. Alors que quand vous êtes sur de la production à grande échelle, là, ça va concerner moins de monde et vous allez vraiment être dans une notion de rentabilité financière. Ce n'est pas tout à fait le même projet. Et donc, les villes se sont posées pas mal de questions autour de ça. Ça a fait un petit peu évoluer l'ANRU qui n'a pas nécessairement changé son fusil d'épaule sur la question de la production, mais qui a par contre un tant soit peu ouvert justement et reconsidéré un peu plus cette question sociale et cette question justement de créer du collectif autour donc de ces appropriations citoyennes et habitantes des espaces fonciers autour des grands ensembles. Et c'est super intéressant aussi sur la notion de différence d'échelle sur l'agriculture urbaine. Nous, on avait fait un tour de quartier au niveau du Blône, donc à Rennes. On avait rendu visite à une ferme urbaine qui avait été créée dans le quartier depuis plusieurs années, qui, elle, justement, avait un objectif plus pédagogique et moins de production, où, en fait, il y avait une redistribution d'alimentation, évidemment, qui était produite. Hein, les légumes qui étaient produits étaient redistribués dans le quartier, notamment avec des objectifs, j'allais dire, sociaux, sociaux, dans la mesure où c'était plutôt distribué à des familles dans le besoin. Et il y avait avant tout l'objectif du coup d'éducation et de pédagogie puisque c'était plutôt des écoles qui venaient rendre visite, comprendre du coup comment ça fonctionne, le maraîchage, etc. Bon, il y avait quand même une création d'emplois parce qu'il y avait une maraîchère permanente professionnelle hein, formée, mais derrière des objectifs de production beaucoup plus modestes, mais au niveau des objectifs bien sûr.